Bon, maintenant, voyons voir des matchs que j'aurais joué en équipe. Je vous en montre trois qui se sont déroulés en mort subite. Bon. Hier soir, ok, quand je jouais en équipe, ok, c'était pratiquement moi qui se forçais pour c'est moi qui me démenais tout seul là, pour essayer de faire gagner mon équipe. Ben, surtout mon équipier là, qui avait de la misère à jouer contre ces joueurs-là. Puis aussi, il y a d'autres joueurs qui avaient avec qui j'ai joué, mais jamais remporté mes morts subites parce que j'avais jamais personne qui était assez fort pour compléter. Ou pour me supporter. Il y avait aucune personne qui était capable de me supporter en masse. Quand on se rendait à mort subite. Puis c'est moi qui. Des fois, il arrivait que je bifurquais un petit peu. Là, je me. Il arrivait des fois que je faisais des choses dans le vide inutilement. Mais je suis capable de bien me reprendre. Je veux pas que vous vous inquiétez pour ça. Je veux absolument pas que personne s'inquiète pour ça. Je suis capable de bien me relancer. Mais par exemple, c'est difficile de se relancer quand quelqu'un a un équipier qui est pas fort. Qui essaye pas de frapper les autres, là, qui reste toujours sur sa cible défensive, c'est jamais bon signe. Puis ça, voici une preuve comme quoi que. Ben. Quand je joue contre des Japonais, c'est toujours la même histoire qui se passe. Sauf que là, il y en avait un qui était défensif, l'autre qui attaquait. Puis là, ça fait difficile de remporter le point pour au moins me rendre à mort subite. Le plus difficile, c'est d'essayer d'avoir l'autre japonais qui joue Mega Man. Que là, il tentait de conserver son avance, comme à l'habituel. Regardez, il fallait juste tenter des petits coups, là. Regardez, vous voyez, il fallait juste se défendre en ce moment. Il attaque plus. Genre, au moins j'aurais fini par l'avoir, au moins. Je jouais avec quelqu'un qui était vraiment pas fort. Pas sa faute à lui si on a perdu. Au moins il m'a frappé. Regardez, l'autre n'était même pas capable d'aller frapper, les autres. Quand il se décide de frapper, c'est rendu trop tard. Faut que tu frappes au moment où tu as une chance, pas au moment que tu n'en as pas de chance. Essaye de frapper dans le décor, peut-être que tu seras capable d'en tuer un sur deux. À un moment donné, il m'est arrivé une mort subite en équipe. Me battais contre un Lucina, ben en fait, j'avais mon équipier s'est fait éjecter. Puis j'ai voulu essayer de vaincre celui qui joue à Lucina, mais j'ai pas réussi. J'ai fait un chemin vers le haut dans le vide, lui il était en arrière, puis il m'a smashé sur le côté. Hein? Mais par contre, il va y avoir deux autres matchs en équipe que je vais vous présenter en mort subite.
que là, moi, désolé, là, moi, pour moi, c'est, ça va être inacceptable l'attitude qu'avaient mes équipiers quand ils étaient tout seuls contre deux joueurs. Pas contre deux joueurs, il y en a un qui était à un joueur. Non, je veux dire, bon, attends, je vais vous expliquer tantôt, c'est je vais me reprendre tantôt. Bon, on se rejoindra pour une prochaine vidéo.